Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbouya Azmal Oustad Mohamed Boukhari. Marhaban bikoum, a'izzaï al-kiram, a'izzaï al-karimat, a'izzaï al-talamid, a'izzaï al-tilmidat, fi vidéo jadid ala qanatikoum Tarbouya Azmal Oustad Mohamed Boukhari. Fahad la vidéo, inshallah, ghadi ndir ma'akoum sfhat 29, wa hiya tatimma l'sfhat 28, la leçon du lexique, semaine 4 et 5, la première unité, les civilisations universelles, pour le livret d'apprenants et d'apprenantes, mise apprentissage en français, 6e année de l'enseignement primaire. Et dans la vidéo, inshallah, je vais vous montrer les exercices d'entraînement et les exercices d'évaluation de la leçon des gentilés, pays, ville et suffixes. D'accord? Les gentils. Qu'on a dit, la page vidéo s'abère. وصلنا للغاقل هي هذه ودابا غادي نديرو les exercices d'entraînement et d'évaluation. Suivez avec moi. Je m'entraîne. أتدرب. La première question. Comment s'appellent les habitants de la ville ou de ton village? شنو مسميين السكان ديال المدينة ديالك ولا ديال الفيلاج ديالك؟ صافي ديال الفيلاج ديالك ولا ديال المدينة ديالك؟ أنا ناخذ واحد المثال، مثال ديال مدينة قال كازابلانكا. داكور؟ كازابلانكا شنو الاسم ديال السكان ديالها كيفاش غادي نسميوهم دونك كنسميوهم ان كازابلانكي ان كازابلانكي ان كازابلانكي اون كازابلانكيز كازابلانكيز هنايا كنقولوا كازاوي وهذا كنقولوا كازاويه Ça fait un Casablancais et une Casablancaise. La deuxième question, comment appelle-t-on les gens qui habitent l'Angleterre, en Allemagne, en Allemagne, ou en Mauritanie, ou en Mauritanie. Donc, quand on dit en Angleterre, c'est-à-dire donc un Anglais, quand on dit un Anglais, un Anglais, ou une anglaise, une anglaise, d'accord? Un anglais et une anglaise, d'accord? En Allemagne, l'Allemagne, Allemagne, quand on dit un allemand, un allemand et une allemande, d'accord? Donc, quand il y a un soukain de l'Allemagne, il y a masculin, Allemagne, on dit Allemagne, une Allemande. En Mauritanie, c'est-à-dire Mauritanie, quand on dit Mauritanie, ou Mauritanie, un Mauritanien, un Mauritanien, et une Mauritanienne, une Mauritanienne. D'accord? Mauritanie ou Mauritanie? Ou Mauritanie. C'est bien. Question 3 maintenant. Toujours dans la rubrique je m'entraîne. Quel est le nom des habitants de Fès? Chno, l'ism li kantlqouh ala soukan dial Fès. Soukan dial Fès, donc le nom. Le nom. Deux points. Donc le nom c'est, on dit, un Fès-y. Un Fès-y. Fès-y. Pour le masculin. Pour les féminins, un colo. Une Fès-y. Une Fès-y. Donc, un fessi ou un fessi. Une fessi, c'est fessia. Ça fait fessi, yézem. Yani, sakna fess ou la bint fess. Question 4. Quel est le nom d'un habitant de l'Australie? Chnaou l'ism dial wahed sakin ou la dial wild Australie. D'accord? Wild Australie. Wahed mziud f Australie. Donc, kankolo, un Australien. Un Australien. Une, pour les féminins. Une Australienne. Un Australien, Australie. Une Australienne, Australie. Ça fait? Question 5. De quel pays provient chacun des habitants suivants? Mishmen Daoula, Jayin Had Sukan Hadou. Un Suédois. Un Espagnol. Un Sud-Africain. Quand on dit un Suédois, c'est-à-dire Suédi. Un Espagnol, yani Espagne. Un Sud-Africain, yani Janoub Ifriqi. Donc, hadou, chnaouma, l'asma, dial les pays dialhom, dial dual dialhom. Donc, un Suédois, c'est Suède. D'accord? Suède. Donc, un Suède. Daoulat, un Suède. Ça fait? Un Espagnol, c'est l'Espagne. D'accord? Espagne. Comme ça. Pour un Sud-Africain, yani, Janoub-Ifriqi, c'est
Sud-Afrique. Sud-Afrique. Janoub-Afrique. Janoub-Afrique. Sud-Afrique. Maintenant, on passe à la rubrique Je m'évalue. Suivez avec moi. Je m'évalue. Trouve un gentilé avec chacun des suffixes suivants. Radil-Qaw, les gentilés, yani nasab, les radin-zid-alihom. هاد لي سيفيكس اللي مقترحين هنايا هنا عندنا اي وهنا عندنا از كوم ان كازا بلانكي اي اون كازا بلانكيز دابا غادي نديرو مثال هنا غادي نديرو مثال بوغ اي اي از غادي نديرو روداني 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 اي رودانيز 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 هادي شنو بغينا نقصدو بها يعني نقصدو بها تارودان كنقصدو بها تارودانت يعني الناس السكان ديال تارودان داكوغ تارودان دونك بي و ايواز و ايواز كنقولو طنجاوي وطنجاوية ان طنجاغو كوم سا اون طنجواز داكوغ طنجاوي هنا طنجاوي ان اي ان ان اي ان دونك كنديرو ان امريكان امريكان Un Américain, une Américaine. Américaine. D'accord? Américain ou Américaine. N et N. N et N. Donc, on a un colo parisien. Parisien. Il y a une Paris ici. On a une Parisienne. Parisienne. Une parisienne, d'accord? Par ici ou par ici, d'accord? Yani rajoul par ici ou mar'a par ici, d'accord? Donc, Rodani, Rodanaise, Tangerois, une Tangeroise, un Américain, une Américaine, Parisien, une Parisienne, d'accord? Quels sont deux maintenant? Suivez toujours avec moi. Quels sont deux? Indique le nom des lieux dont sont dérivés les gentilés que tu as trouvés. Radi nktbou hnaya l'asma dial amkina li tchtaqou minhom les gentilés li lqinahom. D'accord? Li lqinahom. Donc, Rodani et Rodanez, c'est ta, les noms, donc ta. Roudan. Bnisba Tanjaoui, Tanjaouia, c'est Tanger. Medina Tanger. D'accord? Bnisba Américain ou Américaine, c'est l'Amérique. D'accord? Amérique. Amérique. Ou Bnisba Parisien, une Parisienne, c'est Paris. Medina Paris. D'accord? Pas Paris. C'est bien. Ici, boîte à outils. يعني هنايا هاد الشيء اللي هنايا ممكن نستعملوه. Pas facile. Les habitants de Ouarzazate sont des Ouarzazi. السكان ديال Ouarzazate هما كنقولوا لهم لي Ouarzazi. Ceux de Sidi Qassem والناس Sidi Qassem كنقولوا لهم c'est les Kassimi. Et ceux de Taroudan كنقولوا لهم les Roudani. En France, il existe de nombreux gentilés amusants. Ainsi, les habitants de Saint-Brieuc en Bretagne sont des Briochines. Ceux de Fontainebleau, Île-de-France, sont des Bellefontaines. Et ceux du quartier de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, sont les Germanopratines. D'accord? Ou bien, d'arradin, qu'on commence la vidéo d'aujourd'hui, les kankéchas fakat, les exercices d'entraînement et d'évaluation pour la leçon du lexique, les gentilés, pays, ville, suffixe. Quand vous avez vu que vous avez dit 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 que باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم كان معكم الأستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته